Coucou, c'est Edwige. Je suis très contente de te retrouver chaque jour en fin d'émission pour t'amuser avec le quiz. Aujourd'hui, je te propose deux devinettes de science. C'est à toi de jouer. Pour ma première devinette, je suis un outil informatique qui permet aux ordinateurs du monde entier de communiquer entre eux, à condition qu'ils soient connectés à mon réseau. J'ai été inventée aux États-Unis. Avant mon invention, les gens qui voulaient s'écrire étaient obligés de s'envoyer des courriers par la poste. Et le courrier mettait plusieurs jours pour arriver à destination. Alors que depuis que j'ai été inventée, beaucoup de gens préfèrent s'envoyer un courrier électronique, un email qui est reçu par son destinataire immédiatement après avoir été envoyé. Et cela même s'il se trouve à l'autre bout du monde. C'est génial, non? Mais je ne suis pas utilisée seulement pour envoyer des emails. Grâce à moi, tu peux aussi surfer sur le web pour trouver tout un tas d'informations, plus ou moins intéressantes, ou plus ou moins vraies. Par exemple, grâce à moi, tu peux faire des recherches pour l'école, ou regarder des vidéos pour t'amuser. As-tu trouvé qui je suis? Je suis... Internet! Internet est une source d'informations extraordinaire. Mais n'oublie pas qu'on peut aussi trouver beaucoup de bêtises sur Internet. À chaque fois que tu consultes un site, demande-toi si ce site est sérieux et si les informations que tu y trouves sont exactes. Mais quittons le domaine de l'informatique pour passer à ma devinette suivante. Pour ma seconde devinette, je suis un astre. Donc je suis dans l'espace. Mon nom comporte 4 lettres. Les humains se sont toujours posé beaucoup de questions à mon sujet. Je suis l'astre le plus proche de la Terre et le plus visible dans le ciel après le Soleil. Mais c'est bien lui qui m'éclaire, car je ne produis pas de lumière. C'est moi qui crée les marées en attirant l'eau dans ma direction. Je suis parfois blanche, parfois orangée, parfois en forme de croissant, alors que d'autres fois, je suis parfaitement ronde. Attention, je ne suis pas une planète, car je ne tourne pas autour du Soleil. Moi, je tourne autour de la Terre. On dit donc que je suis un satellite naturel de la Terre. Tu commences à comprendre qui je suis? En fusée, il faut 4 jours pour arriver jusqu'à moi. Je suis vraiment très loin de la Terre. Des hommes ont pourtant réussi à me rejoindre. Fin juillet 1969, il y a environ 50 ans, Neil Armstrong a été le premier homme à marcher sur mon sol. Il prononce alors cette phrase devenue très célèbre, « C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». Je crois que ça y est, tu as découvert qui je suis. Je suis... la Lune! Les premiers hommes à marcher sur la Lune faisaient partie de la mission Apollo 11. Par la suite, il y a eu d'autres missions permettant à d'autres personnes de marcher sur la Lune. En tout, 12 astronautes. Tous Américains ont eu la chance de marcher sur cet astre. Tu m'écoutes toujours ou tu es dans la Lune? Je blague. En tout cas, j'ai hâte de te retrouver lundi pour 2 nouvelles devinettes dans mon quiz d'histoire. Bon week-end!